Le 27 septembre 52 avant Jésus-Christ est la date possible du jour où Vercingétorix s'est rendu à César. C'est ce jour-là que prend fin le siège d'Alésia et que prend aussi quasiment fin la guerre des Gaules qui avait commencé 6 ans avant. Oui, parce qu'en 58 avant Jésus-Christ, le politicien romain Jules César, pour des raisons de prestige et d'influence politique, s'était lancé d'une campagne de conquête de la Gaule. Après 6 ans de campagne militaire, de campagne politique, César pense avoir soumis la plupart des peuples gaulois, mais à l'hiver -52, une révolte éclate contre les Romains. Révolte menée par Vercingétorix, roi du peuple des Arvernes, dans l'Auvergne actuelle, d'où d'ailleurs le nom de cette région. César est vaincu à Gergovie, il se replie ou en tout cas fait semblant de se replier, mais pendant l'été -52, il réussit à bloquer Vercingétorix dans Alésia. Il repousse les armées de secours venues l'aider, Alésia est affamée, le roi des Arvernes finira par se rendre. Cette bataille d'Alésia a depuis le 19e siècle une importance particulière dans l'imaginaire historique français. D'abord parce qu'elle a été considérée comme la date symbolique du passage de la Gaule, de la barbarie à la civilisation, du fait de la conquête romaine. Et puis la révolte menée par Vercingétorix a pu aussi être considérée comme la première manifestation de résistance française, je mets des guillemets, à l'invasion. Est-ce qu'il faut rappeler que les historiens sont depuis largement revenus sur ce qui est plus du roman national que de la réalité historique? J'ai dit qu'avec le siège d'Alésia, la guerre des Gaules prenait quasiment fin. Quasiment parce que l'année suivante, en -51, César devra encore assiéger et vaincre les derniers révoltés gaulois, ceux-ci à Uxellodunum dans le Quercy. C'est ce siège d'Uxellodunum qui sera vraiment la toute dernière bataille de la guerre des Gaules. Parler d'Alésia, c'est aussi l'occasion de parler des débats, enfin plutôt des polémiques, sur sa localisation. Parce que la grande majorité des historiens et des archéologues situent Alésia à Alicintrène en Côte d'Or, ça en s'appuyant sur la topographie et surtout sur l'archéologie. Mais cette localisation dite officielle, là aussi j'y mets des guillemets, a été contestée par certains universitaires et par des célébrités médiatiques, lesquelles font d'abord confiance aux écrits de César qu'elles prennent au pied de la lettre. Et à partir de là, ont été défendues des localisations alternatives à Alicintrène, comme Chaudet-Crotenay dans le Jura. Ce qui a été l'occasion, il y a quelques années, d'échanges pas très gentils, par livre et par article, de genoux interposés.